L'enterrement. Quand une personne est morte, sa famille ou ses amis se chargent d'organiser son enterrement. Il faut prévenir tous ceux qui connaissaient la personne morte et s'occuper de ce que va devenir son corps. Il peut être transformé en cendres qui seront répandues ou gardées dans une urne. Pelouse du souvenir. On appelle cela une crémation. Ou il peut être mis avec le cercueil, dans une tombe. C'est une inhumation. Il y a souvent aussi une cérémonie à préparer. L'enterrement est un moment très important, où tous les gens qui aimaient la personne morte peuvent partager des souvenirs. Se consoler les uns les autres. Lui dire adieu et éventuellement faire des prières. Malheureusement, à cause de Coco et sa bande d'affreux, les responsables du pays ont décidé que pour le moment, il ne doit pas y avoir plus de 20 personnes à un enterrement. Alors souvent, des gens qui aimeraient beaucoup venir ne le peuvent pas et doivent se contenter de vidéos. Cette impossibilité de se rassembler comme on le souhaiterait autour des personnes mortes que nous connaissions peut augmenter notre peine. C'est une épreuve en plus. Nous pouvons quand même aller nous recueillir en petit nombre lorsque nous le souhaitons. Et il sera réconfortant d'organiser, quand Coco et sa bande auront déguerpi, un beau rassemblement. Où tous ensemble, cette fois, nous pourrons nous souvenir de cette personne que nous aimions.